Bonjour auditrices et auditeurs, aujourd'hui on vous accueille dans cette émission en partenariat avec la DEAL. Et aujourd'hui on va parler avec une association, la DEFAR, donc Association des Défenses des Agriculteurs de La Réunion. Et on accueille Annie-Claude Abriska, bonjour. Bonjour. Et Jean-Daniel Beig, bonjour. Bonjour. Alors en 15 ans, La Réunion elle est passée de 130 à 54 éleveurs laitiers. Ces chiffres, ils nous interpellent et attirent notre attention sur la qualité et la traçabilité des aliments produits localement. Quelle initiative est menée? Comment sont-ils accompagnés? Pour cela, la DEFAR va répondre à nos questions. Alors, déjà, comment expliquez-vous cette réduction massive d'éleveurs? Bon, il y a eu déjà une organisation de la filière, des éleveurs qui travaillaient tout seuls. On les a dit, bon, on va vous mettre en filière, faire une coopérative pour justement faire la force et avoir une filière plus forte. Et c'est l'inverse qui s'est produit. On a isolé les éleveurs et on a vu une filière atteindre 570 adhérents pour aujourd'hui rester 54 éleveurs. Et après avoir investi des millions d'euros, la question se pose sur la qualité de cet élevage, la qualité de cette agriculture dans son ensemble. Et ce nombre nous questionne et ne doit pas faire seulement questionner la DEFAR, mais l'ensemble des partenaires. Alors, une des raisons peut-être qu'on peut avancer, c'est que nous, au sein de l'association, donc on a accompagné donc à peu près donc une centaine en fait de familles d'éleveurs, et on s'est rendu compte que les cheptels, en tout cas les différents élevages de ces éleveurs, étaient en fait contaminés. Et les bêtes en fait mouraient, donc il y avait plusieurs maladies. Donc ça pourrait effectivement, enfin en tout cas pour nous, c'était une grosse part en tout cas de la baisse de ces élevages, du nombre d'élevages ici en tout cas à La Réunion, c'est les maladies en tout cas qu'il y avait dans les cheptels. Dans ces maladies, le cheptel réunionnais est durement touché par la leucose bovine. D'où vient cette maladie? Alors, d'où vient cette maladie? Alors, nous, ce qu'on sait, quand on remonte un peu dans l'histoire, en tout cas ici à La Réunion, donc il y a le vétérinaire, le docteur vétérinaire Pascal Ramassani, donc un réunionnais, donc qui a donc étudié, il a fait donc là une thèse, et dans sa thèse, il faisait remarquer que depuis 1988, on avait donc déjà des veaux qui étaient importés donc de France, de Hollande, et ces animaux étaient déjà porteurs de la LBO donc à cette époque, leucose bovine enzootique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette maladie elle est encore présente à La Réunion ici, mais plus en métropole. Alors, c'est sûr qu'elle est encore présente encore à La Réunion donc ici, puisque depuis en tout cas l'introduction de la maladie à La Réunion, il n'y a pas eu en tout cas de plan d'éradication donc fait. Et après l'arrêté en tout cas ministériel en 1990 qui demandait effectivement l'éradication de la maladie, pareil, donc La Réunion n'a pas suivi en fait ce plan, alors qu'effectivement en métropole la démarche a été faite pour justement donc faire disparaître au fur et à mesure la maladie. Donc aujourd'hui en tout cas la France peut se clamer en tout cas indemne de leucose. Le hic, c'est qu'on fait partie de cette France et elle se dit indemne, alors qu'à La Réunion, la leucose est encore présente à près de 70 à 90% dans les cheptels. Et comment elle se manifeste, la maladie? Est-ce qu'elle est fatale pour les animaux? Alors, en fait, il y a plusieurs stades de la maladie. Sans en être expert, la DEFAR n'est pas forcément, vétérinaire, mais il y a plusieurs phases. En tout cas, la phase latente, on ne remarque rien, en fait, chez l'animal. C'est quand vraiment il y a un stade, en fait, de, tumoral. Donc là, vraiment, c'est comme un cancer, en fait, hein, chez l'homme. Quand là, on commence à voir, effectivement, l'animal s'affaiblir. Et au niveau de la carcasse, en fait, quand on l'opère ou la carcasse passe à l'abattoir, on peut remarquer les ganglions. Mais comme ça, physiquement, donc c'est pas visible. Lors de sa visite en juillet dernier, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, affirmait que la leucose n'avait aucun risque sur l'homme. Comment vous expliquez que cette maladie semble être aussi prise à la légère par le gouvernement?
C'est vrai que la France peut dire qu'il n'y a aucun risque pour l'homme, mais il faut savoir aussi qu'au niveau de la France, on n'a fait aucune étude pour faire le lien entre la leucose bovine et sa transmission chez l'homme. Mais sauf qu'il y a des pays, il y a des études, bon, qui, je pense qu'il faut prendre quand même ben, au sérieux, qui dit aujourd'hui qu'on retrouve le rétrovirus de cette maladie dans les tissus, par exemple, ma mère, des femmes qui ont développé le cancer. Et ça, c'est une chercheuse qui a quand même 35 ans d'expérience, une américaine qui le dit. Et elle dit qu'elle a pu identifier parce que justement, il y a des nouveaux matériaux qui permettent de le faire. Et la France se fie sur les anciennes études anglo-saxonnes qui s'est fait dans les années 1980. Et on sait que ben, la science évolue. Et nous, ce qu'on demande, c'est pour ça le principe de précaution soit appliqué. Et dans certains supermarchés, en ce moment, on voit que le prix de la viande est descendu jusqu'à 6,90 €. Est-ce qu'il y a un lien entre peut-être les maladies de la viande et bien là, c'est vous qui nous apprenez effectivement donc là ce montant. Je sais pas. Alors c'est sûr que on sait qu'il y a en tout cas que la démarche en fait de la DEFA a fait qu'il y a eu des impacts effectivement sur la vente ou la mévente en tout cas de ces carcasses. On a eu aussi des retours pour dire effectivement que la viande locale est chère. Alors je ne sais pas si c'est une technique aussi pour appâter effectivement donc le consommateur, donc pour faire vendre en tout cas la viande. Mais ce qu'on est, en tout cas nous, le combat qu'on fait, c'est pas tellement sur le prix, mais c'est mettre vraiment le doigt sur la traçabilité du produit. On se pose la question, par rapport justement à cette qualité de la viande, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour le consommateur de savoir, sur par exemple l'étiquette, quelle est la maladie en fait que l'animal en fait a eu, les traitements que l'animal a eu, et à la limite de le dire en tout cas au consommateur, mais à travers les étiquettes, pour que le consommateur puisse avoir vraiment un choix clair par rapport à la qualité de la viande. Parce que en fait le cheptel malade, il est quand même, la viande est quand même commercialisée, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Quand on dit que la viande, alors normalement au niveau de la réglementation, quand il s'agit de la LBE, donc c'est vrai qu'on dit que dans chaque cheptel, on doit marquer d'un L l'animal, en tout cas, pour que effectivement une fois arrivé à l'abattoir, donc la personne en fait qui s'occupe des carcasses puisse effectivement voir, faire des contrôles pour voir en fait la qualité de la carcasse. Or ici à La Réunion, il ne fout pas. Donc il ne marque pas l'animal en fait d'un L, donc il n'est pas en fait censé, en tout cas arriver à l'abattoir, en fait à la personne qui s'en occupe, elle n'est pas censée en tout cas de savoir si l'animal a la LBE ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que près de 70 à 90% du cheptel est atteint, donc au moins dans chaque élevage, il doit y avoir au moins un animal en tout cas atteint. Donc voilà, et ça par contre sur les étiquettes, on ne voit pas. Le consommateur quand il achète, il voit pas en fait. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la LBE, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres maladies. Et ça, on fait fi en fait de toutes ces maladies. Il y a certaines qui sont aussi transmissibles à l'homme sûr, et il y a d'autres qui affaiblissent effectivement l'animal. Et donc c'est ce qui conduit effectivement aux mortalités dans les différents cheptels. Et donc pour l'instant, toutes ces maladies, il n'y a aucune solution pour éradiquer cette maladie. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites? Alors si, il y a la solution. La solution, c'est l'application de la loi. Or, jusqu'à maintenant, les autorités, en tout cas locales, les filières, les responsables de filières, en tout cas, ne sont pas prêts à faire à appliquer la loi, tout simplement. C'est le combat de la défense depuis plus de 12 ans, en tout cas du moins pour la LBE. Il y a des dépistages qui doivent être faits, par exemple au niveau du GDS, du groupement de défense sanitaire, pour savoir aussi donc l'état du cheptel. Donc ça aussi, il y a moyen effectivement de trouver donc en fait les autres maladies. Mais qu'en est-il exactement donc par rapport? Alors nous au sein de la DEFAR, on a des éleveurs, mais ils sont tous ruinés, donc on n'a plus vraiment de cheptel. Il faut trouver effectivement donc des éleveurs qui puissent témoigner vraiment de la réalité de ce qui se passe dans les élevages en ce moment. Ce qu'on sait, c'est que ça continue en tout cas à crever dans les différents élevages. Mais du coup, voilà, toutes ces maladies, que ce soit la leucose ou autre, ont forcément des conséquences psychologiques et financières sur les agriculteurs. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu ?
Alors, je commencerai, après je laisserai une part à Daniel. Alors, c'est sûr qu'on était loin de penser que tous ces problèmes allaient avoir des impacts, en tout cas dans les familles. Ce qu'on sait, c'est que ça a provoqué d'énormes drames, des déchirures dans les familles. Il y en a qui sont tombés dans l'alcoolisme. On a même un éleveur, donc en fait, qui est décédé. Mais on s'est posé la question, en fait, de quoi, en fait, il est décédé. Parce qu'en fait, dans son cheptel, il y avait plus de 20 maladies. Et il y en avait qui étaient effectivement transmissibles à l'homme. On se retrouve avec des gens, donc des familles, en fait, éclatées, d'autres qui vivent dans leurs étables. Et voilà, donc, et avec effectivement un gros endettement, des éleveurs ruinés et obligés de rembourser leurs dettes alors qu'ils ont été victimes d'une situation d'un manquement au niveau en fait des filières, de l'État, etc. Mais l'État a connaissance de ces situations, il n'y a pas de subvention mise en place. Mettre des subventions, c'est reconnaître le problème sanitaire, en fait, c'est. Personne ne veut reconnaître ce problème parce qu'il faut, ben, il faut trouver les coupables. Après. Et nous, notre accompagnement au sein de ces familles, on sait que c'est ben, l'État et les vétérinaires les premiers coupables parce que tout ce qui touche le domaine sanitaire, ce sont les premiers à avoir des responsabilités, faire remonter déjà ces maladies au niveau de la DGAL et ça n'a pas été le cas. Ça, on a pu le prouver lors des expertises. Et ça rapporte à qui? Ça rapporte aux vétérinaires. Aujourd'hui, les éleveurs, je sais plus s'il faut dire qu'ils font de l'élevage ou de la gestion de pathologies animales, de la cheptel. Quand on voit le nombre de maladies et quand on voit les traitements, les antibiotiques qui sont utilisés dans ces élevages, ça met problème sur votre première question de la qualité du lait ou de la viande. Et après, au niveau dramatique, c'est vrai que ben, on a vu des drames quoi, dans ces familles. Et ça continue malheureusement. Et même les éleveurs qui sont en filière, qui ne sont pas adhérents chez nous, mais qui nous interpellent pour exposer leur situation, on voit qu'au niveau de la famille, il y a des tensions. Et, bon, et si on ne règle pas, ça va malheureusement jusqu'à la séparation, divorce et tout. Alors, au niveau des éleveurs de la DEFAR, alors, on peut entendre dire, en tout cas de la part du préfet, qu'il y a eu une démarche, en tout cas sociale, auprès de ces éleveurs. Le sous-préfet à la cohésion sociale, M. Gilles Trémont, donc, avait fait une démarche auprès donc, de la DEFAR pour, soi-disant, aider les éleveurs, justement à cause de toute leur situation dramatique. Mais la réalité, elle est loin d'être, en tout cas, satisfaisante. Si on prend par exemple le cas d'un éleveur, celui qui était le plus extrême et qui vit dans son étable par exemple, il avait promis donc d'aider en tout cas cette personne, en tout cas cet éleveur, en tout cas ruiné, cet ex-éleveur ruiné, à avoir en tout cas une maison décente. Il se trouve que sa réponse a été de dire comme il est un bon payeur, donc en fait il rembourse ses dettes sur son RSA, il faut savoir, et ben il n'aura pas effectivement donc de maison. Donc je prends le cas le plus extrême. On a un autre, par exemple, un couple en tout cas donc qui est contaminé dans les Hauts-de-Saint-Paul par la fièvre Q. Donc là, maladie qui a attaqué donc un troupeau de cabris. Et ben la solution apportée par exemple par le sous-préfet, c'était d'aller trouver un organisme de formation mais pour la fille en fait de ce couple. Qui n'avait rien à voir en tout cas avec la voilà, c'est pour vous dire en fait des exemples en tout cas de solutions qu'on entend. Mais pas des solutions. Oui, non, mais voilà, donc ils peuvent après effectivement prôner en disant que on a fait effectivement, donc il y a eu une écoute en tout cas psychologique, il y a une démarche vis-à-vis de ces éleveurs, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de leur réalité et encore moins de leurs soucis, de leur écoute et de leur endettement. Et au vu de toute cette difficulté à devenir éleveur, est-ce que vous pensez que ça peut dissuader les jeunes éleveurs en devenir qui aimeraient bien se lancer là-dedans? Alors, dissuader, je ne pense pas, parce que la politique actuelle est celle vraiment d'appâter les gens autour des subventions. Et ils feront tout, parce qu'ils ne veulent pas, en fait, parce que plus le nombre, en fait, se maintient ou augmente, plus en face, ils ont des subventions. Donc, l'idée, c'est vraiment donc, de montrer, en tout cas, que la filière va bien. Donc, il n'y a aucune raison, en tout cas, pour que ça s'arrête.
Donc nous, on crée en fait un peu scandale en disant aux jeunes attention, en essayant à travers une manifestation pour dire que sitôt que vous allez vous engager, vous allez être en moins d'un an effectivement ruiné, parce que c'est avec des animaux malades qu'on installe ces éleveurs. Mais bon, on n'a pas, comment dire ça, on n'a pas d'impact en tout cas suffisant pour que ces éleveurs aient du recul suffisant en tout cas pour pouvoir prendre cette décision, s'installer ou ne pas s'installer. En décembre 2018, vous avez organisé une marche. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs ? Oui, alors cette marche, en fait, elle est arrivée un peu à un tournant donc au sein de l'association. Elle faisait un peu le lien avec toute cette étape en fait judiciaire, parce qu'on a eu des éleveurs qui sont partis en procès contre les filières, et en fait et le nouveau projet qu'on voulait mettre en place autour de l'agriculture saine. Donc on a commencé en fait à la plaine des Palmistes le 5 décembre pour aller jusqu'au parvis des droits de l'homme, en passant par la plaine des Palmistes et la côte ouest. Notre volonté, c'était vraiment de faire une marche, en tout cas en hommage à notre ex-président, et en même temps une marche un peu spirituelle, on l'a appelé un peu comme ça, pour aller vraiment à la rencontre des gens et leur donner des informations, les sensibiliser sur cette histoire, en tout cas de l'élevage à La Réunion. Et qu'est-ce que c'est une agriculture saine? Alors pour nous, une agriculture saine, donc, alors déjà donc, on revenait en fait sur le sens de, on se disait tout ce qui est produit donc normalement, donc par l'agriculteur ou en agriculture, doit effectivement servir à notre alimentation. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand on produit, parce que manger, c'est vraiment donner la vie, c'est mettre en tout cas dans son corps des aliments, des nutriments qui nous aident à grandir. Or, il se trouve qu'à travers donc l'exemple de l'élevage, en tout cas à La Réunion, à travers tous ces problèmes en fait de contamination, de maladies animales, notre agriculture en tout cas est plombée. Et manger effectivement des animaux malsains, donc pour nous, donc c'est aussi porter atteinte à la santé. Donc quand on parle d'agriculture saine, c'est vraiment pouvoir avoir des animaux en tout cas sains et ne pas utiliser de produits chimiques. On pense surtout donc à l'agriculture, à la production végétale, hein, tout ce qui est par exemple fruits, légumes, maraîchage, vivrier, agriculture vivrière. Donc c'est vraiment donc là partir de vraiment de la nature, du compost, du paillage, pour amener des choses en tout cas saines à la terre pour qu'on puisse produire sainement. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de vous faire entendre de par vos initiatives, les marches, vos interventions à la radio? Est-ce que... Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience, parce qu'on a rencontré pas mal de gens, donc en fait, sur la route, donc au cours de notre marche, sur le parvis, lorsqu'on y était. Et je crois que les gens sont dans une prise de conscience par rapport donc à la qualité alimentaire. Nous, on a eu une bonne écoute, et il y a même des gens donc qui nous ont fait des propositions par rapport à cela. Il y a même des attitudes, en tout cas au niveau par exemple de des grandes surfaces. Donc les gens commencent à boycotter donc en fait des produits de grandes surfaces et ont le désir en tout cas de revenir vraiment mais à la terre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route. Et oui, on a l'impression, en tout cas nous, que les gens donc écoutent. Et en tout cas, au niveau de la DEFAR, la démarche pour nous, elle est positive et on sent que de plus en plus de gens se mettent en tout cas dans une démarche en tout cas citoyenne par rapport à leur alimentation. Le ministre de l'Agriculture parlait aussi d'employer des gestes adaptés pour maîtriser l'évolution des maladies du cheptel réunionnais. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire qu'il y a des mesures qui sont mises en place concrètement ou c'est des communiqués? Alors, ce langage, en fait, des ministres de l'Agriculture, c'est pas que la première fois qu'on les entend. Sauf que, dans la réalité, dans la pratique, on ne voit pas trop, en fait, les effets. La DEFAR, à plusieurs reprises dans son parcours, dans son accompagnement avec les éleveurs, a toujours demandé à participer, en tout cas, aux réunions de travail, aux décisions. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas représentatif on n'est pas un syndicat, en tout cas, d'éleveurs, on n'est pas représentatif, du monde agricole, etc. Mais, on tient quand même, on a tenu, en tout cas, nous, à faire entendre notre voix. Alors,
chose qui n'a pas été, ça l'a été pendant un moment, mais après je pense vers 2006-2008, on nous a coupé effectivement, donc là, même si on demande, donc on n'intervient pas. Donc c'est sûr que quand on entend ce qui se fait par exemple à la chambre d'agriculture, par exemple même sur le bio, on se demande vraiment quelle est la part, en tout cas, si vraiment il veut adapter en tout cas des mesures, on se demande vraiment qu'est-ce qu'elle fait en tout cas la chambre d'agriculture. Quand on voit par exemple au niveau de la DAF, pareil, donc on entendait, ils avaient un plan, je crois, éco, je sais plus, bon, en tout cas au niveau, sur le plan en tout cas biologique, agriculture biologique, au niveau de la formation, nous le retour qu'on a par exemple des jeunes qui sont en formation, il y en a qui disent en fait, ils n'ont pas le droit, enfin ils n'ont pas en tout cas dans les modules de formation, des modules en tout cas bio, donc en fait ça veut dire vraiment que la machine est lente à mettre en route, c'est-à-dire qu'il y a un discours, mais après dans la pratique, nous on voit pas, donc c'est plus des initiatives en tout cas personnelles qu'on sait, enfin qui se mettent en place, qui montrent en tout cas qu'il y a une volonté de la part du citoyen, de la population, mais des organismes eux-mêmes ou de venant de du ministère de l'Agriculture, on a du mal en tout cas nous à les mesurer puisqu'on n'est pas forcément inclus ou présent dans les tout à fait présent dans les institutions, les rencontres. Et pour finir, est-ce que vous avez envie d'adresser un message aux auditeurs? Est-ce que vous allez être bientôt sur des manifestations? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Si des éleveurs veulent vous écrire, veulent se joindre à vous? Enfin, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est sûr que si on attend sur nos politiques pour qu'on mange sainement, que ce soit ici ou ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est reconnu mondialement, surtout dans les pays développés, que l'agriculture pollue et empoisonne. Je pense que c'est à chaque consommateur de dire il faut que je devienne un consommateur responsable. Et si on veut plus manger, je vais reprendre le terme d'un élu, ces saloperies qui sont produites ici ou qui viennent d'ailleurs, c'est de dire que je vais faire attention des produits que j'achète. Et peut-être revenir un peu, sortir dans cette surconsommation et dire revenir dans l'essentiel. Et dire, bon, si j'achète, il faut qu'il y ait une vraie traçabilité. Et c'est comme ça qu'on va imposer, le consommateur va imposer une agriculture plus saine. Parce que ni nos agriculteurs qui sont endettés et qui attendent les subventions, ils ne vont pas changer, ils ne vont pas sortir de cette politique agricole. Et on voit bien le comportement de nos politiques et même du ministre. Parce que si le ministre voulait vraiment changer quelque chose, il aurait déjà fait appliquer juste la réglementation sanitaire qui est l'essentiel au niveau de l'élevage dans notre département, et ça règle déjà beaucoup de problèmes. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je dis, c'est à chaque consommateur, à chaque citoyen d'être responsable, parce que nous, on est une génération, on est déjà un certain âge, mais il y a nos enfants. Et plus qu'on va laisser faire cette agriculture qui empoisonne, plus qu'on aura des problèmes de santé au niveau de nos enfants et petits-enfants. Alors, moi, je dirais aussi, donc, la démarche dans laquelle on est dedans, en fait, c'est de planter soi-même. Je pense que dans toute famille réunionnaise, on a toujours un grand-père, un tonton, enfin un membre de la famille qui vient effectivement du monde rural ou qui a toujours planté. Donc ça, je pense que c'est une richesse en tout cas pour nous, ou élever des animaux. Donc ça, pour nous, c'est une richesse, et je pense que quel que soit l'endroit, qu'on soit dans un appartement, qu'on soit donc dans une case avec la cour, qu'on soit dans un immeuble, puisqu'il y a des espaces en fait qui doivent être réservés, il y a moyen en fait de planter. Et je pense que là, se remettre effectivement donc à la terre, retrouver des semences et planter, c'est déjà pour nous en tout cas une manière de résister et une manière en tout cas de manger en tout cas sainement. Nous, c'est ce qu'on fait en tout cas donc au niveau de la DEFAR. Et pour ceux qui veulent nous contacter, donc l'association, elle est basée dans les Hauts-de-Sainte-Anne, mais on a des adhérents en fait de tous les points de ville, donc ça c'est pas un souci. Par contre, on a une adresse mail pour ceux qui veulent donc là nous contacter, c'est en minuscule adefar974@gmail.com, ou alors un numéro de téléphone, c'est le 06 93 92 68 92. Merci beaucoup, voilà, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écouteraient.
Le message, c'est de faire réfléchir les consommateurs, de mieux consommer, et pour ce qu'on peut planter à la maison, qu'on essaye de faire. Tout à fait. Merci. Merci.